Bonjour, je suis Fabrice Sélarié, je suis maître de conférence à l'Université de Rennes et je suis responsable du master mécatronique. La mécatronique est une discipline en plein essor qui combine à la fois les connaissances et les compétences nécessaires pour concevoir, développer et produire des systèmes automatisés tels que des robots industriels, des voitures autonomes et également aussi des systèmes médicaux avancés. L'objectif du parcours mécatronique est de former des étudiantes et des étudiants à l'usage éclairé d'outils qui vont permettre de simuler, de modéliser et d'optimiser des systèmes industriels. Ils apprendront à utiliser des outils et des technologies de pointe, leur permettant de résoudre des problèmes complexes et de réaliser des projets innovants. Cette formation, forte de ses 20 années d'expérience, permet aux étudiants d'acquérir de solides compétences qui sont très recherchées actuellement sur le marché de l'emploi. Le parcours mécatronique s'adresse à des étudiants en conception mécanique, souhaitant enrichir leur formation en mécatronique pour s'insérer plus rapidement dans le domaine de l'industrie. Ce parcours offre également de nombreuses opportunités de recherche et de développement pour ceux qui souhaitent poursuivre en carrière universitaire ou dans la recherche. La deuxième année du master mécatronique est ouverte à l'alternance. Elle s'effectue par l'enchaînement de cycles de 5 semaines de cours et de 8 semaines en entreprise. L'accompagnement des étudiants dans leurs projets professionnels est un souci constant de l'équipe pédagogique. Cette équipe pédagogique est essentiellement constituée d'enseignants-chercheurs de l'Université de Rennes, de l'École nationale supérieure de Rennes, mais également d'entrepreneurs provenant du monde socio-économique. Ce master s'appuie également sur le pôle de mécanique et technologie de l'Université de Rennes, permettant une formation scientifique et technique de haut niveau, mais également sur le Project Lab, qui est un atelier de conception et de fabrication collaborative, encourageant le développement d'innovations techniques. Grâce à ces plateformes technologiques, nous proposons à nos étudiants des projets pédagogiques ou industriels en lien direct avec le tissu socio-économique régional et national, tels que travailler sur des projets liés au spatial, liés à la musique ou liés au handicap. Nous enrichissons cette formation de disciplines qui sont actuellement très recherchées dans le milieu industriel, telles que l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, le travail sur plateforme collaborative et également aussi la responsabilité sociétale des entreprises. En apportant des compléments de compétences en électronique, en électrotechnique et en informatique, nos étudiants vont acquérir de l'expérience pour pouvoir continuer dans une carrière dans les différents secteurs tels que l'automobile, le naval, le ferroviaire et l'aérospatial, mais également aussi dans l'agroalimentaire, dans la défense, également aussi dans la santé. À l'issue de leur formation, les étudiants occupent des postes d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs en développement, de chargés d'affaires. Le taux d'insertion professionnelle dans des postes de cadre est de 90% dans les 3 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. En résumé, le parcours mécatronique est une formation passionnante qui fournit aux étudiants un socle solide en mécanique, enrichi de compétences en électronique et en informatique, permettant aux étudiants de réaliser des projets innovants qui auront un impact positif sur le monde qui nous entoure.